dans le massif des Arves en Savoie, plus précisément au sud de Valloire, sur la route du col du Galibier, l'Aiguille de l'Épaisseur est une superbe classique du ski de randonnée à faire à la journée ou sur 2 jours. Le sommet culmine à 3230 mètres d'altitude, presque au fond de la combe des aiguilles et devant les reines du lieu, les fameuses et caractéristiques aiguilles d'Arves. Juste à côté, la pointe des Ratissières, 2835 mètres, permet de faire un deuxième sommet peu technique en dormant au refuge des aiguilles d'Arves et de faire une belle descente jusqu'au parking. Le départ de la rando se situe juste en contrebas du hameau de Bonne Nuit à 1670 mètres. À travers une forêt clairsemée, on remonte un versant raide jusqu'aux ruines et chalets des aiguilles. De là, tout le vallon est visible. On remonte cette combe rive gauche du torrent des Aiguilles jusqu'à apercevoir en face le petit refuge des Aiguilles d'Arves ainsi que toutes les pentes de la voie d'ascension menant à l'Aiguille de l'Épaisseur. Les derniers mètres pour atteindre le refuge sont un peu plus raides. Arrivé au refuge à 2260 mètres d'altitude, après 2 heures de montée pour 600 mètres de dénivelé, une halte s'impose avant de poursuivre direction nord-ouest par des vallonnements soutenus. Même en hiver, ces pentes sud-est transforment assez vite. Le panorama fantastique s'élargit. Après 1000 mètres de dénivelé et 3 heures de montée, on arrive au sommet de l'Aiguille de l'Épaisseur à 3230 mètres d'altitude. Cotation 2.2 E1 PD. On a une magnifique vue sur les aiguilles d'Arves, 3514, 3513 et 3364 mètres. Au loin, vers le nord-est, le Mont Blanc, 4810 mètres, barre l'horizon. Au sud, on découvre les sommets emblématiques du massif des Écrins. La Meige et son grand pic à 3983 mètres, puis la barre des Écrins, 4102 mètres, plus au sommet du massif des Écrins. Et plus à l'est encore, la montagne des Agneaux, 3664 mètres. La descente est rapide et directe pour rejoindre le refuge, 30 à 45 minutes. Le refuge des aiguilles d'Arves est gardé en saison, en général de mi-février à fin avril. Hors gardiennage, une partie du bâtiment sert de refuge d'hiver, avec petite cuisine, gaz, couvert et salle principale avec un poêle à bois. Les chambres ont des couvertures. Le lendemain, on part avec le soleil en redescendant sur 200 mètres de dénivelé jusqu'à la bâtisse de Barde. Puis on remonte des pentes sud pour rejoindre la crête arrondie sud-est de la pointe des Ratissières. Quelques petites bosses à remonter et on arrive à la petite arête aérienne sur quelques mètres donnant accès au triangle sommital un peu plus raide.
L'arrivée se fait sur de belles dalles rocheuses jusqu'au cairn sommital à 2865 mètres. Comptez 3 heures depuis le refuge pour 200 mètres de dénivelé négatif et 800 mètres de dénivelé positif. Cotation 2.2 E1 PD. Belle vue sur tout l'itinéraire de l'aiguille de l'épaisseur. Après avoir profité du panorama, la descente est facile sur les larges pentes sud-est jusqu'au hameau des aiguilles. Puis quelques virages dans la forêt clairsemée prise la veille permettent de revenir au parking. 1200 mètres, 1 heure. C'est une belle occasion de visiter ce petit paradis du ski de randonnée.